Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo pour le calendrier de l'Avent que je fais avec Emma de la chaîne Emma US Life. Il me reste 3 cadeaux, c'est trop triste, c'est la fin. On est le 22 et j'ai choisi ce paquet là qui est tout mignon. C'est une boîte, je sais pas, on va voir. Donc pour le 22, qu'est-ce que j'ai pris? Emma, qu'est-ce que tu m'as acheté? Alors, oh, trop chouette. Alors, je pense que comme ça, effectivement, c'est pas du tout parlant. Mais moi, je sais ce que c'est. C'est une boîte dans laquelle il y a une mousse pour nettoyer les pinceaux. Donc, je vais vous le montrer. C'est comme ceci, j'en ai une. Mais la mienne, elle est nettement moins jolie. Et du coup, la mienne, je vais la laisser chez ma maman. Alors, je vais vous montrer, là, j'ai des pinceaux que je nettoie. C'est le bazar parce que je suis absolument pas maquillée. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais il est un peu sale. Et là, oui, je le frotte comme ça. Et ça permet de passer. Ça n'empêche pas de laver les pinceaux. Mais disons que ça permet de passer d'une couleur à une autre quand vous avez des couleurs proches. Mais que vous n'avez pas assez de pinceaux d'une certaine forme, vous le frottez. Et donc ça se défait. Donc l'autre que j'ai, bon, j'ai déjà nettoyé de la mousse. Toute la poudre se dépose au fond, donc vous lavez aussi la boîte. Vous laissez sécher la mousse, vous remettez dedans, vous fermez une fois qu'elle est sec, et voilà. C'est juste un indispensable. Donc c'est vraiment... Donc là, c'est la marque Mahange. Mahange, voilà. Ça fait partie des indispensables. Parce que c'est super pratique. C'est surtout pratique quand vous n'avez pas beaucoup de pinceaux. Bon, moi, j'en ai un certain stock. Mais il y a des formes que j'ai pas en nombre. Ou des pinceaux que... Excusez-moi. J'ai les cheveux qui me gênent. J'ai des formes que j'ai pas en nombre. Ou certains pinceaux qui me plaisent beaucoup. Et du coup, je me sers plus souvent... sur un même make-up et que ça me permet de les conserver, de les utiliser pour tout un make-up quasiment, dans la mesure que je passe pas d'une couleur extrêmement foncée à une couleur extrêmement claire. Par contre, du extrêmement clair à extrêmement foncé, ça passe parce que ça va pas changer mon pinceau, enfin mon make-up. Mais ça, oh, oups, pardon Emma, je plonge dans la baignoire. Oui, en ce moment, je suis d'une grosse maladresse. Je fais tout tomber, je casse tout. Enfin, surtout, je fais tout tomber. Parce que j'ai pas, je casse des choses, mais de base, je suis maladroite. Mais là, c'est tout m'échappe. Elle est extrêmement jolie. Elle est vraiment magnifique. Merci, Emma. Ça me permettra d'en laisser une chez mes parents, dans la trousse à maquillage de ma maman. Qui, comme je la maquille souvent chez elle et que... Bah ça peut être super pratique aussi chez elle. Donc la mienne qui est extrêmement moche parce que la boîte est toute inox je crois. Toute comme ça, toute unie. Il n'y a pas ce beau dessin dessus. Donc celle-ci je vais la garder dans ma maison. Et l'autre je vais l'amener chez mes parents. Voilà. Emma, bon bah il reste 2 jours. Moi je te fais des gros bisous. J'espère que ça va aller un peu mieux le moral. Parce que j'ai vu ta vidéo de ce soir, pas super bon le moral. En tout cas sache que je te soutiens à fond. Peu importe le souci qui t'a cassé un peu le moral, qui t'a donné un peu de tristesse, sache que je suis là. Si t'as besoin de m'écrire sur Messenger, tu peux le faire, tu le sais très bien. Bon, moi je te fais plein de gros bisous. Je vous fais également tous les autres abonnés et les non-abonnés. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, un petit commentaire. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour l'avant-dernière vidéo de nos cadeaux de Noël. Bye bye.